papa, regarde, maman a pissé. Le sac de bébé là, va chercher, dépêche-toi. Tu ne sais pas qu'on vole les enfants? Depuis que ma maman a couché, plus personne ne fait attention à moi. Noya! Noya! Noya, regarde ce que papa t'a apporté. Isavan, papa, tu as acheté quoi pour moi chez Isavan? Bonjour mon cœur. Bonjour bébé. Et le bébé? Le bébé va bien. Une robe. Maman, maman, regarde ma robe. Waouh, elle est super. Papa, papa, tu es le meilleur papa du monde. Maman, tu as quoi? Papa, papa, maman ne se sent pas bien. Papa. Oh, 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 ça a commencé. Noya, va vite dans la chambre. Va dans la chambre, le sac là. Le sac de bébé là. Va chercher, dépêche-toi. Papa, regarde, maman a pissé. Va chercher le sac. Va chercher, dépêche-toi. Maman, 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 je veux le voir aussi. Oh oui, pardon, quitte devant nous là. Mais quitte ici. L'enfant va respirer. J'allais arranger la chambre. Mais doucement. Tu vas réveiller l'enfant là. J'allais arranger la chambre. Tu vas venir te reposer, d'accord? D'accord, ok. Hé, hey, y'a quoi? Tu n'as pas entendu ce que ton papa a dit là? Si tu la réveilles, tu vas voir. Faut reculer là-bas. Je m'en vais me reposer. Faut pas venir me déranger là-bas, hein? Kenny, toi tu m'aimes toujours, non? Et appelle à tes yeux là. Papa, tu peux me raconter une histoire s'il te plaît? Je dis, toi tu es comment même? Hein? C'est quel genre d'enfant qui grandit pas? Toi tu es comment? Véronique, tu vas réveiller l'enfant? Mais c'est pas celle-là qui est en train de m'énerver. Toi là, regarde-moi ici. C'est la dernière fois que je te dis ça. Tu n'es plus un enfant. Tu as vieilli maintenant, d'accord? Celle qui a besoin de toute l'attention dans la maison ici, là, c'est ta petite sœur. Tu l'as trop gâtée, hein? C'est parce qu'on la frappe pas qu'elle fait tout ça là. Mais tout ça là va finir ici. Ça va finir. Je la comprends même pas. Elle est devenue bizarre, elle a un comportement façon comme ça. À qui la faute? Ma fille, tu fais quoi dehors ici à cette heure-là? Tu ne sais pas qu'on vole les enfants? Tanti, mes parents ne m'aiment plus. Oh, mais pourquoi tu dis ça? Faut pas dire ça. Depuis que ma maman a couché, plus personne ne fait attention à moi. Aïe, mais qui a ouvert la porte là? Noya. Tu habites où? Là-bas, là. Je vais te raccompagner auprès de tes parents. Si je l'attrape. Noya! Donc, de partir à la maison, hein. Il faut aller à la maison, oh. D'accord. Hé, Noya. Noya, tu viens d'où? Madame, hein? Calmez-vous. Depuis, on te cherche là. Calmez-vous, madame. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, madame. J'ai dit, toi, là, ton papa arrive. Ma soeur, tu n'as pas remarqué que quelque chose a changé chez ton enfant ces temps-ci? Si, si, elle est devenue très agressive. Elle est toujours de mauvaise humeur. Ta fille est triste parce qu'elle se sent délaissée. Délaissée comment? Jusqu'ici, délaissée elle comment? Était enfant unique, n'est-ce pas? Donc à cause d'elle, votre enfant, a besoin d'amour, d'attention, encore et encore. C'est ce qui va lui donner la confiance en elle. Aujourd'hui, elle se sent rejetée. On va s'occuper du bébé, on va s'occuper d'elle aussi. Où elle est, elle, déjà grande? Hein? Et puis, qui a dit qu'on ne l'aime pas? Expliquez-lui
que le cœur d'un papa et d'une maman ne se divise pas. Bien au contraire, il se multiplie à l'arrivée d'un nouveau bébé. Malheureusement, à cause de vous, l'arrivée du bébé, qui devrait être une source de joie pour la petite, est une source de problème de tristesse. Quand même, madame. Elle aime sa sœur. Elle devrait pouvoir avoir des moments avec sa sœur. Mais vous vous comportez comme si l'enfant était sa rivale. Hein? C'est pas sérieux. Dans son imagination d'enfant, vous ne l'aimez plus. Et tout ça à cause de la venue de sa petite sœur. C'est à vous de lui faire comprendre les choses. C'est un enfant. Hein? Hé, hey, Nouya, non, c'est comme ça que tu vois les choses. Ma fille, pardon, pardon, faut nous pardonner. Ah, c'est maintenant que je comprends. La petite fille, elle est devenue distante, elle est froide, moi-même là. C'est dès maintenant là même qu'on doit commencer à apprendre aux enfants que sa soeur ou son frère là, c'est son ami. C'est comme ça on fait, plus qu'ils grandissent là. Ils grandissent avec de la rancœur et ils se détestent partout. Hé, hey, ma fille, faut nous pardonner. J'ai prendre ta petite soeur. Maintenant, c'est toi qui vas t'occuper d'elle. Hé, hey, toi, tu as quitté où? Si tu es garçon, là, faut la toucher. Touche à mon bébé, la prunelle de mes yeux, quoi. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, faites comme moi. Achetez vos vêtements, vos chaussures et vos accessoires de mode chez Issaval, une boutique en ligne. Ils sont super.